Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin Port-Royal. Voyons aujourd'hui dans ce cours la conduction électrique dans les métaux. Dans un circuit électrique formé de conducteurs métalliques, le courant électrique est constitué par la circulation de l'ensemble des électrons libres orientés sous l'effet d'un générateur, ici une pile. Les atomes métalliques possèdent 1, 2, voire 3 électrons libres qui sont peu liés au noyau et qui peuvent ainsi se déplacer dans la structure du métal. Ces électrons libres sont appelés des électrons de conduction. Dans un circuit ouvert, les mouvements des électrons de conduction est intense et désordonné, comme je le montre ici en grossissement. Lorsque le circuit est fermé, les électrons de conduction dans le circuit électrique ont un mouvement d'ensemble ordonné de la borne moins vers la borne plus de notre générateur. Leur vitesse n'excède pas quelques millimètres par seconde. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez suivre mes cours ainsi que des QCM sur mon site de soutien scolaire. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.